Bonjour les amis. Ah, justement, chute, électrocution, brûlure. Comment prévenir les accidents domestiques? C'est notre sujet du jour. Mais suivez-moi en cuisine pour une recette délicieuse. Chef Sadibou, comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes de retour au Maternal d'Afrique. Je suis ravie de vous recevoir une nouvelle fois. En fait, on va répondre à une personne qui nous écrit depuis Tiaba au Niger. Est-ce que vous savez comment on dit bonjour en songhaï? En songhaï, non. Alors, ça se dit Kani Bani. Kani Bani. Kani Bani. Bonjour Angela. Pour l'anniversaire de mon fils Yema, avec mon mari, nous avons prévu un atelier cuisine pour lui et ses amis. Auriez-vous une idée de recette simple et facile à réaliser, aisément avec les enfants? Merci beaucoup. Je vais vous proposer une recette hyper simple. Oui. Guacamole avec des œufs. Guacamole. Alors, le guacamole, c'est plutôt mexicain, ça, non? Et c'est l'avocat? C'est l'avocat. D'accord. Je l'ai choisi parce que l'avocat, vous en avez partout en Afrique. L'avocat est le seul fruit où vous avez presque toutes les vitamines dont a besoin l'enfant pour grandir. Et là, il y en a, là, oui. De l'avocat. Vous c'est en ça, avez. Hein. C'est ça, l'avocat. D'accord. Et des œufs. Un peu de beurre pour le côté énergie. Ah, OK. Et goût. Moi, l'avocat, c'est vraiment effectivement le fruit par excellence parce qu'il est aussi bon pour la peau que pour le corps parce qu'il nous aide à nous sentir rassasiés, à maintenir le bon fonctionnement du système digestif. Il est riche en fibres alimentaires et puis il aide à lutter contre la constipation passagère. Ça consiste en quoi votre recette? En fait, c'est l'avocat, vous allez donc le couper, je suppose? Oui, couper au milieu, enlever la peau. Ben, on peut commencer. Vous avez un couteau là, vous allez me montrer comment vous faites, oui. Hein, tant qu'à faire. Avant tout, il oui. faut cuire l'œuf. D'accord. Récupérer le jaune. OK. OK. D'accord. Ensuite, vous épluchez vos avocats, comme ça. Il faut qu'ils soient bien mûrs. Il faut qu'ils hein. soient bien mûrs. C'est beaucoup plus agréable en bouche hein, quand c'est mûr. Exactement. D'accord. Alors, vous voyez, chef Sadibou, je suis une petite coquine, moi. J'ai fait exprès de vous faire commencer à travailler parce d'accord. que là, je vois que les invités sont arrivés. Et donc, je suis certaine que ce sera prêt quand j'aurai fini avec mes invités. Vous d'accord. retrouvez la recette sur les réseaux sociaux. Chef Sadibou, bon travail à vous. Merci, Angela. Bonjour, monsieur, mesdames. Bonjour. Comment bonjour. Allez-vous? On va bien. Merci. Bienvenue dans la maison des Maternals d'Afrique. Merci. Alors, vous savez quoi? J'ai une histoire à vous raconter. Je crois même que j'en ai deux. J'ai une amie. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Elle s'appelle Florence Kitcha. Florence a une marque, une grosse marque sur le bras, comme ça. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me raconte que toute petite, donc elle avait 4 ans, elle aimait bien, en fait, rester à côté de sa maman qui faisait la cuisine. Et sa maman était en train de faire une friture. Et à un moment, la casserole est tombée et elle a reçu toute l'huile chaude sur son bras. Une autre histoire, c'est il y a 2 ans, mon fils Lenny, qui aime bien traîner dans la cuisine, approche sa main un petit peu trop près de la plaque de cuisson et pose ses 2 doigts sur la plaque de cuisson et il se brûle. Et ça, ce sont des choses, je suis sûre, que vous connaissez, ce sont les accidents domestiques. On vous a posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique et on vous a demandé si votre enfant avait déjà eu un accident domestique et vous avez été 67% à nous répondre oui, ce qui veut dire que dans la communauté des Maternelles d'Afrique, on connaît très bien ce phénomène et on va en parler aujourd'hui. Donc, je reçois Lucie. Lucie, vous avez 43 ans, vous êtes restauratrice, vous êtes célibataire et vous êtes la maman de Daniel Audrey qui a 17 ans et Ornella Merveille qui a 13 ans. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bienvenue à vous. Je reçois merci. Également Ophir. Ophir, vous avez 42 ans, vous êtes comptable, vous êtes célibataire, vous êtes la maman d'un garçon de 11 ans qui s'appelle Blessed. Ouais. C'est bien ça? C'est ça, merci. Bienvenue à vous. Merci. Et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Bruce, vous êtes pédiatre, médecin généraliste et vous allez aujourd'hui nous éclairer avec votre expertise. Merci d'être là encore une fois, cher merci. Docteur. Alors, je vais commencer avec vous, Ophir. Un jour, comme les autres, vous êtes au travail. Oui. Tout va bien, vous recevez un appel et là, c'est la panique. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, je reçois l'appel de ma petite sœur. Elle m'appelle et dit, Ophir, rentre à la maison. J'ai un peu paniqué, je l'ai demandé, puis elle me dit que voilà, ton fils vient de faire un accident domestique. Parce que c'était le,
l'un de ses cousins qu'il avait fait tomber de la terrasse. Et puis c'est comme s'il monte sur le balcon et puis l'autre pousse et puis tombe. Donc il est tombé sur le bras et puis il a cassé l'avant-bras. On va y revenir après parce que je voudrais que je vous remercie. Hein. Okay. Je voudrais que Lucie nous raconte aussi parce que vous découvrez à peu près le même début d'histoire. C'est que vous êtes au travail et vous recevez un coup de fil. J'avais laissé la petite à ma domestique avant d'aller au boulot. Donc de lui donner son petit déjeuner. C'était chaud, elle a laissé sur la table. Elle est sortie, laissant la petite affamée. Donc comme elle a faim, elle est montée sur la chaise pour prendre... Elle s'est brûlée le visage. Donc en fait, elle était toute petite. Donc ouais. Elle grimpe sur la table, elle prend ouais. Et puis ça verse voilà. Sur son visage. Ouais. Et vous, quand on vous appelle, c'est pour vous dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez au téléphone? La petite s'est brûlée. Aïe, aïe, aïe. Donc quand on entend ça en tant que parent, ton enfant vient de se brûler le visage, il y a plein de choses qui doivent se passer dans la tête hein, ouais. En tant que parent. Est-ce ouais. Qu'elle est aveugle? Est-ce qu'elle est machin? Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'ose pas imaginer. Docteur, je voudrais savoir quels sont les différents types d'accidents domestiques que l'on peut rencontrer le plus souvent chez nous. En ville, la plupart du temps, on l'a dit, les brûlures, c'est l'exemple de madame, et les traumatismes avec fractures. Mais en plus, il y a les intoxications par un produit laissé sans surveillance et puis l'injection de produits dans la bouche, dans les voies respiratoire. En plus, à la campagne, en plus de ce que je viens de citer, on rencontre les intoxications dues à des produits, des engrais, ouais. À des produits phytosanitaires, ouais. Les chutes dans les arbres et actuellement, dans certains milieux très favorisés, les noyades dans les piscines. Ce n'est pas tout le monde qui a une piscine, mais une piscine qui n'est pas surveillée et c'est un très grand danger. Les électrocutions, une prise qui est mal branchée, une prise, les lampes électriques dans le jardin, l'enfant marche dans le jardin sur le gazon mouillé et la lampe, la prise n'est pas bien assujettie et voilà l'enfant qui s'électrocute. C'est l'essentiel de ce que nous rencontrons la plupart du temps. Merci, voilà. Docteur. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, je propose que l'on écoute le témoignage de Rufine depuis Porto Novo, au Bénin, nos voisins, dont le fils de 4 ans a lui aussi eu un accident domestique. Bonjour les maternelles d'Afrique, moi c'est Rufine. Mon garçon a eu un accident domestique, il s'est brûlé au pied avec de la pâte chaude. Et sur le coup, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de prendre la pâte dentifrice et de lui passer ça sur la partie. Et quand j'ai fait ça, il a tellement crié, j'étais obligée de prendre une bassine remplie d'eau, j'y ai plongé ses pieds. Et c'était une situation assez stressante et difficile, mais on a su gérer. Alors là, c'est intéressant. Merci, merci Rufine. Oui. Brûlure et pâte dentifrice, est-ce que ça va ensemble? Autant que faire se peut, éviter de mettre une pâte dentifrice, une pommade, une boue ou autre chose. Parce qu'après, il faudrait l'enlever pour désinfecter la peau et en l'enlevant, vous arrachez encore une partie des chairs déjà atteintes. Théoriquement, lorsque vous êtes en face d'une brûlure, il faut calmer la douleur de l'enfant. Comment est-ce que vous pouvez calmer la douleur? C'est de mettre de l'eau fraîche sur le membre ou sur la partie brûlée. Alors, donc là, on parle de brûlure. Là, j'aimerais bien qu'on voit donc, les cas qui arrivent le plus régulièrement donc, à la maison. Donc, on a un enfant qui tombe ou un enfant qui prend une bille et qui l'avale ou que souvent, ce qu'on retrouve, ce qu'on a souvent à la maison, quand on prend l'apéritif, on a de l'arachide. Donc, on a bébé qui passe et puis qui l'avale. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ça sort. Le plus dangereux, les arachides, les enfants l'introduisent dans le nez. Ah oui, les perles, les enfants l'introduisent dans le nez. Soit c'est la maman qui le découvre tout de suite, ouais. Soit c'est dans quelques jours, vous vous rendez compte qu'il y a une odeur nauséabonde, il y a un écoulement qui sort du nez, et c'est alors en ce moment qu'ils viennent consulter. Généralement, on n'a pas trop de difficultés s'il n'est pas passé trop loin dans l'arrière-nez à l'extraire de là.
Et dans le cas où il y a une fausse route, dans le cas où ça ne va pas. Dans le cas où ça ne va pas, oui. Ça va dans les voies respiratoires. Ouais. Alors, c'est un traumatisme, un accident domestique gravissime. Il faut explorer, faire une radio pour localiser exactement où se trouve le corps étranger. Oui. C'est l'affaire d'un spécialiste. Il faut consulter. Il faut aller chercher ce corps étranger là où il est, dans les voies respiratoires. Mais il y a des signes cliniques qui vous le feront savoir. Merci, docteur. Merci, docteur. Alors, Ophir, vous réagissiez tout à l'heure quand le docteur parlait d'arachide dans le nez. Ouais. Ça vous rappelle quelque ça chose? Ça me rappelle quelque chose. C'était lors d'une fête à la maison. On était là en famille en train de papoter. Et voilà mon neveu. Elle a pris de l'arachide sans qu'on ne sache. Et puis, il a mis dans son nez. C'était un petit d'un an, 4 mois, 5 mois. Donc, mais je me dis, il pleurait. Qu'est-ce qu'il me... Donc, je me suis rappelée. Et heureusement que ce n'était pas bien enfoncé. Voilà l'arachide qui était dans le nez. Mais c'était difficilement qu'on a fait. Vous êtes allé le chercher avec c'est vos ça. Gros doigts dans, son petit, dans ses petites narines. Comme quoi, des petits objets comme ça, anodins dans la maison, peuvent devenir dangereux. Ouais. Alors, donc, Lucie, j'aimerais savoir, une fois que vous êtes rentrée à la maison... Je suppose que vous n'avez plus regardé votre maison de la même manière. Non. Votre nounou, vous ne l'avez plus regardé de la même manière aussi. Quelles dispositions vous avez mises en place à la maison? Avant mon retour même, j'ai renvoyé la dame là. Déjà? Oui. J'ai tout réorganisé dans la cuisine. J'ai pris le temps de leur parler, de leur enseigner ça, c'est ça. Ne pas toucher ça. Je crois qu'elles ont bien compris et puis on n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Il n'y a plus d'incident? Ouais. Non. Merci beaucoup. Alors, et vous, Ophir, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières après ça? Pas tellement, parce qu'il était le seul enfant à la maison. Mmh. Il avait plein de jouets. Mmh. Et puis, c'est parce que quand les autres viennent qu'il y a ce genre de problème. Mais la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a remblé la maison. Parce qu'avant, c'était, la hauteur, c'était de 1,30 m à 1,50 m. D'accord. Voilà, donc on a un peu... mis le sable à la maison pour que ça soit un peu haut. Bien sûr. Et donc, c'était ça. Merci, Ophir. Merci. Alors, docteur, quelles sont les recommandations que vous pourriez donner à prendre pour avoir une maison à peu près sûre quand on a des enfants en bas âge? Généralement, dans une maison, les endroits où vous devez faire le plus attention sont la cuisine, les escaliers, ça dépend de l'âge, la salle de bain, les cuisinières, les gaz ou sur lequel l'enfant peut mettre la main, le feu. Dans la cuisine, souvent, on expose les aliments chauds et les enfants n'ont pas toujours la patience d'attendre qu'on vienne les servir. Ils se précipitent dessus, ils les prennent et se les versent dessus, comme ça a été le cas de madame. Et puis, la salle de bain, on y entrepose souvent des produits toxiques qui contiennent de l'acide ou d'autres produits extrêmement nuisibles à l'enfant. La salle de bain, pour ceux qui ont des baignoires, peuvent être remplies d'eau et l'enfant peut se noyer lorsque vous le perdez de vue dans une baignoire, pas forcément à la piscine. Voilà un tout petit peu les endroits. Et l'escalier, bien entendu, chez un enfant qui commence même déjà à ramper à quatre pattes, ou commence à marcher. Voilà les endroits les plus dangereux. Bien sûr. Il faut faire très attention. Et concernant la cuisine, ne jamais mettre des produits de nettoyage dans des vases qui avaient servi à autre chose. À autre chose. Ça, par exemple. Exactement. Vous voyez, là, il y a du pétrole dedans. Il y a du pétrole, alors que c'est il peut le prendre pour de l'eau, il peut le prendre pour du coca, il peut le prendre pour quelque chose et le mettre directement à la bouche. Merci, docteur. En fait, il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vous mettre à hauteur d'enfant. Surtout, les enfants qui commencent à ramper, qui commencent à marcher, ils explorent le monde. Donc, il faut savoir qu'un enfant qui fait cette taille-là, je pose ça là, un enfant qui fait cette taille-là, tout est à disposition. Donc, il peut
Donc il y a ce clou qui traîne, pour lui c'est un jouet potentiel, il y a cette bille, c'est un jouet potentiel. Quand vous voyez les enfants là qui essaient de toucher la table, vous avez fait votre belle table là pour adultes, les couverts qui sont des dangers potentiels, parce que lui il ne sait pas que ça fait mal, il touche et puis très vite ça peut être un danger. Autre chose par rapport à tous les produits ménagers, ce qu'on a tendance à faire souvent c'est qu'on pose nos produits ménagers par terre. Et il faut savoir que ce qui est par terre est très accessible à nos petits bouts. Et donc, voilà, tous ces produits ménagers pour tuer les cafards, pour tuer les rongeurs et autres, lui, il prend ça pour un jus de fruits, il le boit. Et après, c'est directement à l'hôpital parce que vous ne pouvez rien faire, il faut aller à l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi, docteur? Très bien. Je voulais juste terminer avec vous, mesdames, pour savoir, aujourd'hui, vous attendez que votre fille grandisse un petit peu pour faire une intervention, c'est ça? Oui. C'est ça? Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle est souvent taquinée à l'école. Les enfants sont cruels. Oui. C'est vrai. Il faut apprendre à gérer ça. Oui. Et vous, Ophir, comment il va votre garçon? Il va bien, il va bien. Casse-cou? Continue à sauter? Non, au contraire, elle est très calme. Il est calme. C'est quand les autres viennent que... Oui. D'accord. Bien, écoutez, merci sincèrement d'être venu partager votre expérience. Et j'espère merci que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui comprennent que le monde d'adultes n'est pas un monde pour les enfants. Et il n'y a pas l'expérience, quand on est enfant, de quand on est adulte, on est tombé plusieurs fois, on s'est brûlé plusieurs fois, et on sait que là, ça brûle. Donc, essayons de les protéger au maximum. En tout cas, n'aggravons pas la situation. Merci beaucoup, Dr. Bruce, d'être venu nous voir. Si vous aussi, vous avez des histoires, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poster sur nos réseaux sociaux. Alors, tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais recevoir une femme qui brave vents et marées pour construire son empire. À bientôt. Bonjour Marie. Bonjour madame. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Merci. Vous savez, cette rubrique, c'est ma rubrique préférée parce que je reçois des femmes inspirantes. Et merci, vous, madame. Vous avez 47 ans aujourd'hui. Oui. Vous avez 3 enfants, vous êtes mariée. Vous travaillez en tant que secrétaire, je crois, dans une structure qui faisait quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qui faisait des importations. Des importations. Oui. Voilà. Et là, vous quittez l'entreprise. J'ai quitté l'entreprise après un an. Oui. Et vous montez une structure d'import-export. Import-export. Dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire, oui. Par contre, il y a eu quelques petites difficultés, notamment avec la concurrence. Tout à fait. Vous pouvez en parler? Oui, oui. En fait, pour tout marché, il y a toujours des difficultés de pénétration du marché. Oui. Je l'ai affronté comment? C'est-à-dire que dès que les concurrents ont appris que, voilà, il y a... un nouveau venu dans le marché, ils vont vouloir faire le blocus. Ça s'est passé, c'est-à-dire ils se sont dit, entre eux, ne permet pas à cette dame-là de s'installer. Pourquoi? Parce qu'elle va nous concurrencer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour vous empêcher? Pour m'empêcher, oui. D'abord, puisque j'ai commencé l'importation, c'est des produits congelés. Oui. Il faut nécessairement une chambre froide pour pouvoir stocker les marchandises. Donc, ils se sont dit, entre eux, et ne lui louez pas de chambre froide parce que je n'ai pas de structure de stockage et on verra comment elle va gérer ses arrivages. Donc, ils l'ont fait effectivement. Donc, je cherchais de chambre froide à louer. Personne ne voulait jusqu'à ce que quelqu'un ait accepté parmi le groupe. Et la personne a décidé, à cause de sa conscience, que voilà, ce qu'ils font, c'est pas bien. Il faut quand même l'aider. Oui. Donc, clandestinement. Oui. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, c'est ce qui est décidé contre toi. Mais moi, je vais te laisser ma chambre froide. Mais aussi, la chambre froide qu'il m'avait laissée louer, ça ne travaillait pas bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y a eu des avaries de mon stock. Oh là là. J'ai fait beaucoup de pertes. Oui. Mais à cause de la motivation et le courage... Vous n'avez pas lâché? Je n'ai pas lâché. En parlant de motivation et courage, oui. Bon... On va parler de l'entourage aussi. Oui. Je crois comprendre que votre mari a été vraiment un soutien pour vous. Si, il a été vraiment un soutien pour moi parce que dans tout cela, je suis devenue... En fait, j'ai commencé par évoluer de moi-même, c'est-à-dire de mon propre chef. Je n'avais pas encore d'enfant. Donc, j'étais grosse de 4 mois. Donc, c'est en ce moment que je débutais même mes activités. Vous étiez enceinte de 4 mois? De 4 mois. Au moment où vous avez démarré?
de moi-même. Wow. Donc, il faut voir comment concilier les deux. Oui. Donc, je sortais moi-même pour les négociations au niveau des banques et tout ça là. Mon mari était en ce moment-là pour moi un chauffeur. C'est lui qui m'amenait et tout ça là. Donc, il était pour moi un soutien. Un grand voilà. soutien. Oui. Alors, aujourd'hui, votre structure a combien d'employés? J'ai minimum 15 employés. 15 employés. J'emploie 15 employés. Quand j'avais commencé, c'était au début 5. Oui. Et ce sont des gens que j'ai rappelés du village parce que, en fait, on avait travaillé dans la même structure. Ils sont revenus vers moi et nous avons commencé par travailler, bien qu'on n'a pas une structure, c'est-à-dire l'entreprise n'avait pas de locaux. Mais après, par la grâce de Dieu, nous avons eu notre propre terrain, nous avons construit et fait notre chambre froide. Donc après ça, le nombre de personnel a augmenté au niveau des ouvriers, des magasiniers et tout ça là. Eux tous, ils ont commencé à zéro, c'est-à-dire ils n'avaient rien. Mais la plupart de ces employés sont dans leur propre maison aujourd'hui. C'est merveilleux ça, oui, donc vraiment c'est super. Alors, en parlant de maison, je voulais savoir comment vous vous organisez. Donc vous expliquez que vous avez lancé la structure, vous étiez enceinte. Oui. Donc il y a Marie, vous avez 3 enfants maintenant, ils ont quel âge d'ailleurs? La première a 13 ans. Oui. Et la deuxième, 12 ans. Oui. Et la troisième, 6 ans. Alors, comment vous faites pour gérer à la fois les employés, les enfants, les clients? Comment ça marche? La journée type, au même moment où je suis dans les négociations, pour la plupart des temps, je suis dans les douanes, à la douane, à la frontière. Je suis dans les banques et je suis au niveau des services des impôts en train de gérer tout ça là. À la maison, il y a mes tantes, disons ma mère, mes tantes, mes nièces qui sont là aussi chez moi à la maison en train de m'aider pour pouvoir faire s'occuper de ces enfants-là. C'est-à-dire pendant que j'étais encore grosse, je me rappelle le jour où je devais accoucher, c'est-à-dire le lendemain pour accoucher. Mm-hmm. J'ai accouché ma première fille le 22 novembre 2007. Oui. Le 21, je sentais déjà... Les contractions. Oui, oui. Donc je suis allée à la clinique, on m'a dit « Ah, le cul est déjà tombé, mais revenez pour vous installer. » Mais je n'ai pas obéi. Parce qu'il y avait un conteneur qui devrait sortir. Donc, avec ce gros ventre-là, avec toute cette fatigue, j'étais partie à la direction de John. Je montais l'escalier. Je ne pouvais plus. J'étais obligée de m'asseoir dans les escaliers là-bas, très fatiguée. Quelque temps, j'ai repris mon souffle pour remonter l'escalier, pour aller voir celui que je devais voir. Et le lendemain, par la grâce de Dieu, je suis allée à 8h30 jusqu'à 11h, j'ai accouché de ma première fille. Donc, c'était bébé qui devait sortir conteneur en même temps qu'il devait sortir ses conteneurs, vous avez choisi. Oui, j'ai choisi le conteneur. En même temps, c'était ma vie, le bébé. Donc, 2 semaines après l'accouchement, j'ai repris mes activités. Comment va votre fille maintenant? Elle va bien? Elle va très bien. Et donc, tout va bien, quoi. Tout va bien. Bon, écoutez, tout... Marie, merci beaucoup. Oui. Merci d'être venue au Maternelle d'Afrique pour nous raconter votre histoire qui est prenante, qui est inspirante. Vous savez, là, j'ai des enfants qui m'attendent parce que je dois goûter un guacamole osseux. Vous savez, moi, ministère de l'Intérieur, là, c'est quelque chose. Appétit, alors. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Oh là là, c'est joli. Dites-moi, ça ressemble à quoi ça? Un visage. Un visage, oui, un visage avec un smiley. Avec un smiley. Et qu'est-ce qu'il y a donc? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire le smiley? Il y a quoi? Il y a la purée d'avocat. Purée d'avocat, bien. Et des olives, du persil et une tomate. Et une tomate, magnifique. Alors on goûte et vous me dites si c'est bon. Alors, parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose de secret à l'intérieur. Bon? Ça te plaît? Je savais que c'était avocat. Tu savais que c'était avocat, mais il y a quelque chose d'autre dedans. Du sel. Du sel? Sûrement. Ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quelque chose? De l'œuf. Oh! Mais alors, toi, t'es trop fort. Alors, je suis impressionnée. Qui a fait cet enfant? Magnifique. C'est bien ça. C'est un guacamole aux œufs. Guacamole, ça vient du Mexique et les Mexicains appellent la purée d'avocat mélangée avec un petit peu de citron. On appelle ça C'est quoi ça? Ce sont des olives. Et tu trouves ça bon? Donc tu vas dire à papa et maman de refaire ça à la maison, de retrouver la recette sur les réseaux sociaux.
Chef Sadibou, merci beaucoup parce que là, je pense que Tiaba doit être contente. On a une très bonne recette. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et comme on dit en Shanghai, au Niger, on dit Wato Mabori. D'ailleurs, le Niger, c'est où? C'est sur quel continent? Vous savez? Aïe! Ah, ça, c'est encore la question qui fâche. T'as mangé les yeux et la joue, mais je voudrais vous poser une question. Le Niger, c'est où?